Salut, comment ça va aujourd'hui? Ah ouais, ça fait un bail que j'ai pas posté de vidéo comme d'hab, quoi. En fait, c'est juste, j'ai la flemme, j'ai pas envie, j'ai pas la hype, j'ai pas rien. Mais King Legacy ont sorti des nouveautés, et quand je vois le menu et tout, je me dis que c'est plutôt pas mal. En plus, faire des trades et tout. Voilà, c'est peut-être le tueur de Bloxroot. Actuellement, il y a un peu plus de 70 000 joueurs dessus. Et c'est super stylé, donc voilà, j'espère que vous allez me suivre sur cette nouvelle aventure sur King Legacy. On avait fait sur Bloxroot, on continuera Bloxroot plus tard. Mais là, King Legacy est là. Et puis le système de quête et tout, quand même plus agréable que Bloxroot. Bloxroot, c'est très ancien. Et là, on a un petit renouveau et tout. Du coup, ça me fait beaucoup plaisir, je suis de ce bord-là. Donc voilà, aujourd'hui, King Legacy, premier épisode, on fait une petite aventure sympatoche. On a des gens à tuer, on doit monter de niveau. Et si vous commencez King Legacy, vous allez commencer à cette zone ici. Et au début, ça va être très compliqué parce qu'il n'y a aucune indication. On ne sait pas trop où est-ce qu'il faut aller et tout. Moi, ce que je vous conseille, c'est de découvrir un peu. N'hésitez pas à chercher aussi par terre. Vous avez des fruits qui tombent par terre. Moi, j'en ai eu un. Moi, j'ai eu un. J'ai Dark. J'ai littéralement le fruit du démon de Barbe Noire. Donc bon, on va dire que c'est un très bon début. Il était par terre, j'étais en compagnie de John Wolf. John Wolf, il a eu celui de... comment il s'appelle déjà? Moria? Moria, ouais, ça doit être ça. Le corsaire. Et du coup, bah, il l'a eu et tout, et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, le gars qui vous donne les quêtes d'aventure et tout, c'est celui-là, en jaune. Et du coup, quand vous allez lui discuter, parler et tout... Et eh ben, il va vous demander de sélectionner une quête, donc là, niveau 1, soldier, puis ainsi de suite, et voilà. Donc ça sera juste ça. Return, abandon, hop, voilà. Vous avez aussi des daily quests. Donc là, can you tell my dad that he forgot the package et tout, donc là, du coup... d'accord, donc c'est une quête par une quête. On peut pas accumuler les quests. Défaut aussi, comme Bloxroot, il n'y a pas de carte qui t'indique où t'es et tout, c'est un peu dommage. Oh! Tu veux quoi toi? Tu veux quoi toi? Hop là! Vous avez vu cette puissance? Il faut que j'en tue un autre. Us. Et voilà! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? On est déjà niveau 9! Ah, c'est monté vite! Attends, j'ai des Game Pass? Shop. Oh, le shop, il est beau! Oh, permanent fruit! Ah oui, je peux avoir le dragon et tout, ce sera un jour, vous inquiétez pas, un jour. Alors, on a des points et tout, donc là, bon, moi, je vais améliorer sur Fruits. Ah oui, il faut mettre... on va mettre 5 par 5. 5 ici. Heals, évidemment. Melee. Et dans Heals encore. Et puis Fruits. Et voilà, boum, niveau 12. Donc là, du coup, je pense qu'on peut faire la prochaine quête. Donc là, on va pas faire la repeat. On va faire clone pirate, level 10, et nickel. Ouais, non, c'est vraiment beaucoup plus fluide, beaucoup plus cool. Franchement, je préfère. Hein. Mais bon. Oh, waouh, je leur ai fait que dalle. Oh. Ah, ils spawnent déjà. L'attaque par contre. Horrible. Pourquoi par contre ils me suivent eux là? Ok, c'est bon. Niveau 18. Oh waouh, on monte tellement vite de niveau. Je sais pas si vous c'est pareil. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc là aussi on a un objectif, c'est de monter niveau 25 pour avoir le Blake's. Je sais plus quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Aïe aïe aïe. Ah mais attends. Ah mais d'accord, bah oui c'est vrai que je suis Dark, alors du coup ça me fait zéro dégâts. Ah les nulos, alors vous essayez de me faire mal, c'est ça? Mais c'est moi qui vais vous anéantir. Ma toute puissance, je suis quand même Barbe Noire. Oh, y'a Bouddha. Hop là. Cortex du 411, les pyramides. Ceux qui ont la ref. Stats un maximum sur Fruits. Ok, maintenant on doit tuer les Smoky. C'est ça les Smoky. Ok, c'est pas ça le Smoky.
C'est lui, le Smoky. Black Hole. Attends, non, c'est... Ah non, c'est ça. Oh oui. La toute puissance. Je suis le puissant Bandoulf. Tachi. 30. Donc Tachi, c'est celui qui nous a OS en 2 secondes chrono. Ah, il spawn déjà! Oh, c'est incroyable! Oh oui! Meilleur jeu de tous les temps! On n'a plus besoin de payer pour spawn un boss! Yes! Ah, on a même le taux de drop! Oh, mais c'est incroyable! Non, mais ce jeu, il... Ok. On parlera pas trop vite parce que Black Street c'est quand même le jeu qui m'a pas mal aidé et tout. On va voir ce que ça donne. Je vais t'aider mon pote. C'est bon, j'ai tué. Ouf, t'es pas mort. J'espère que tu es content de moi. Est-ce que devenons amis? Ah ouais, d'accord. Oh, le nombre d'XP. Excuse-nous. Non, attends. Non, par contre c'est beaucoup plus joli avec les effets de texturing et tout là. Allez. Oula. Alors, je crois pas que c'est Tachi, ça. Hein. Je vais se tromper. Ah oui, voilà. Ah bah voilà. Ouais, c'est... Ah bah oui, là, on fait des dégâts, maintenant. Non, Tachi, c'était pas l'autre. L'autre, ça doit être un truc beaucoup plus fort que ça. Est-ce qu'il me OS? Non, ça va, il me OS pas, mais il me fait pas mal de dégâts. Hey, Black Hole. Merci beaucoup. Enfin un jeu où on n'a pas besoin d'acheter ou attendre 20 minutes pour un spawn de boss. Ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Attends, je suis venu jouer pour m'amuser et pas pour attendre. Et voilà. Ah, on a gagné des trucs d'inventaire. Hydra Tails. Ok. Oh. Ah, mais c'est des trucs de Smoker. Ah, je l'ai sur moi déjà. Ah putain, j'avais même pas vu. Ah oui. Tiens, mange. Mange ça. Du coup, comment on fait pour accéder à la prochaine... Bah non, je suis bête. On a quoi? On a 2200 balles. En vrai, la prochaine île, j'imagine que comme c'est Baki, c'est juste à côté. On avait dit quoi? Donc là, start. Donc là, on avait dit que... Voilà, 50 et plus, j'avais raison. Donc il faut qu'on soit au niveau 50 pour accéder à la prochaine zone. Donc c'est celle de Baki. Oh les dégâts! Et c'est pour terminer mon pote! Eh oui, t'es déjà dans le caca! T'as même pas le temps de faire tes dégâts, Tachi! Où est ton boss? Hop là! Et c'est-y part pour aller à l'autre île? Oh là là, si, The Vast Sea! Mais là, voir Road Bateau avec tes points de vie et tout, ça c'est cool. On va s'arrêter au port. Saute, malandrin! Attends, si je vais dans l'eau. On va plus vite! On va plus vite quand même, après on va mourir, mais Donc là, c'est lui qui donne la quête. Et du coup, là, il y a que deux facts. Ok. Toi, si tu me fais des dégâts. Non, ça marche pas. C'est con, hein. Et là. Oh, waouh. Là. Brr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 r
Désolé. Hop là. Ah, il met du... Ah ouais, je le monte vraiment au 7ème ciel, hein. Et on est niveau 99, le petit dernier. T'inquiète, mon bro. Oh, oh, oh. Waouh, 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 tu fais quoi, toi? Fuis, fuis, fuis. Mais fuis. Bah ouais, mais fuis aussi, là, je fais pas d'effort. Ah, c'est bon, je dérange plus. Peut-être c'est devant. Parce qu'en plus, c'est bien, c'est que dès que t'arrives à la zone, il te dit le niveau que tu dois avoir pour y aller. Donc là, du coup... 100 et plus, d'accord, ok. Soldier Land. Accepté. Donc ok, donc c'était bien cette zone-là, mais du coup, c'est pas la basta. Du coup, je me suis un peu embrouillé les pinceaux. 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Ouais, c'est ça, tous les 50 niveaux, on monte de... Voilà. Bon, bah les amis, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. C'est un long épisode, mais j'espère qu'il vous aura kiffé. Je vous fais des gros bisous, c'était Bandoulf. Je vous dis à l'épisode 2 sur King Legacy, et ciao tout le monde !